un prophète. Je dirais quelque chose. Sa femme va prendre son ministère bientôt. Moi, si je vais remplacer la place, je vais remplacer moi si un prophète, mon coup. La place, c'est un prophète. C'est-à-dire, le prophète, on a sali l'actualité, ma casse. Mais pas tout à l'andakana, dans le bon moment, il y a un message. Bon, on va y aller, ainsi dit l'éternel, qu'il se prépare, parce que bientôt, à ce moment, il s'est tellement moqué de Dieu que le message est arrivé. Dieu dit, dites-lui, il est à ma tête. Pour qu'il ne se trompe pas, il tombera d'abord malade. Après cette maladie qui s'aggravant, l'Éternel va le récupérer. Il est dans la liste de ce que Dieu va récupérer bientôt. Vous le verrez dans la suite des temps. C'est pour te dire, Awa, dans la carte, il y a 5 doctrines, bah oui. Olingi oyeba état de santé na ye okoki kopenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. Na bonne bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital. Pendant la salle, il y a opération sans oublier test oculaire. Donc, pour ça, mon bimba, il y a une idole Misunga. Et pour ça, il y a une Misunga. Et pour ça, il y a un commencement. La clinique Misunga va aller faire la dentiste. Minou et Kozonga, tout mon pied. La Misunga va traiter la paix, la cataracte. Et parce que, oh, comme on a fait belle et en métal, le col à caca, éclairage public, il y a Nyon. La Misunga, ta santé, c'est ta vie. Clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que vous avez des vérité et réalité, comment décoder votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Et c'est vrai, nous vous proposons également un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui êtes habitués à nous suivre sur nos deux chaînes respectives. Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV. Alors nous sommes très très heureux de vous présenter bien sûr ces grands magazines avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de gaieté. Et certainement, nous allons apprendre beaucoup de choses parce que l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, est déjà opérationnel. Il est là avec nous, c'est vrai, après quelques semaines de retard parce qu'il était concentré par rapport à la conférence. Mais aujourd'hui, il nous revient bien sûr avec beaucoup plus d'actualité et c'est vrai, nous allons toucher, nous allons poser les fondements, nous allons avaler aussi les rouleaux comme d'habitude. Bienvenue, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Il suffit de cliquer tout simplement sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Et juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche et vous verrez toute notification. Une fois touché, vous êtes parmi nos abonnés. Shalom, enfant de Dieu, vous qui nous suivez, continuez toujours à nous suivre et restez branchés surtout.
Nous allons faire le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. L'homme de Dieu est là, il a sa manière de parler qui est assez particulière. Et puis, il va communiquer, bien sûr, la part de Dieu, comme d'habitude. Évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, les galériens. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom, Alain, les apôtres et les gentils, que Dieu te bénisse. Amen. Après une longue période de préparation et enfin la convention, ce qui est la conférence, que nous avons tenu à Selemao, que l'Éternel de Dieu puisse vraiment bénir tout ce qui était avec nous, à Selemao, à savoir nos amis serviteurs de Dieu de la commune de Baroumou, de la commune de Bungu, de Makala, en tout cas les communes avoisinantes. Nous avons été ensemble et l'Éternel était avec nous dans ces grands thèmes à la découverte de sa raison d'être. Alors je dis un grand merci à travers cette vidéo à mon frère Yulu Didier Dikanda aux États-Unis à Champaign, qui était avec nous ici. Déjà, il est arrivé aux États-Unis, il vient de me le signaler depuis ce matin. Que l'Éternel de Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi aux techniciens, à tous qui nous ont accompagnés. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Nous revoici dans Comment décoder, une émission qui vous permet de comprendre le langage de l'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre qui cache beaucoup de symboles. Voilà pourquoi certaines personnes évitent de pénétrer le livre d'Apocalypse. Alors que le livre d'Apocalypse contient toute la Bible, donc les 65 livres sont dans le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi le mot Apocalypse veut dire l'action de dévoiler, Apocalypse, c'est-à-dire révéler ce qui était jusqu'à présent caché. Voilà pourquoi nous sommes là. Un grand merci à toi, Alain. Nous allons poser les fondements, avaler le boulot aujourd'hui encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, en parlant de la conférence, c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait posé la question qui est. Ça sera session par session ou bien c'est juste. Je pense que à cause des gentils, les conférences vont se multiplier. Ah, ok. Les conférences vont certainement se multiplier parce qu'il faut capaciter les serviteurs de Dieu. Tu sais, je vais poser le fondement là-dessus. Il y a une très haute importance aujourd'hui de conférencer autour des fondements de la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 1 à 4, posons le fondement. Le livre de 2 Timothée nous montre l'importance pour laquelle nous devons multiplier les conférences. Nous allons aller vers l'ouest, l'est, nous ne manquerons pas d'être à Tchambo et nous proposons même d'ailleurs d'aller à Matadi et finalement nous saluons ceux qui sont à Pointe-Noire. Si Dieu nous donne la possibilité de le faire, nous allons le faire. Posons les fondements. 2 Timothée chapitre 4, chapitre 4, verset 1 à 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non, réponds, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alors, pourquoi le problème va nous continuer au stade en conférence? Pourquoi insister pour continuer au TSC? Tout simplement parce que la Bible dit dans le verset 3 de Timothée 4, car il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ça veut dire quoi? La saine doctrine repose dans le livre des gens. Donc, il y a Matthieu. Posons les fonds. Les fonds. Avaler le rouleau. Le rouleau. Donc, il y a Matthieu 6. Livre synoptique. La raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher sur la saine doctrine. Pourquoi nous insistons? Tu es là? Je suis là. Ok. Matthieu chapitre 6, le verset 30 au verset 33. C'est là où tu comprends la différence entre les gens ne supporteront plus la vérité. C'est quoi la vérité et qu'est-ce qui est la prédication des mensonges? Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas
pas à plus forte raison. Est-ce que bino batoukou tu vas vivre un jour mon beauté? Jean de peu de fou. À quoi là tu s'amuses à voler quatre matins au dimanche matin? Premier point. La saine doctrine ne repose pas sur le vêtement. Quand tu vois un homme de Dieu, tu es insisté sur les habits, l'apparence extérieure, il n'est pas dans la saine doctrine. La saine doctrine enseigne que on ne peut pas reposer le fondement sur le vêtement. Parce que les gars, ça y a pas mal. On a beaucoup fait l'objet de retour par la moto. Mais les hommes, ils ont l'air de faire un mot. Et moi, je suis là, pourquoi vous avez qui s'attend de vous asseoir pour qu'un pasteur vous prêche la taraxie? L'abondance matérielle, la prédication sur le vêtement, la prédication sur le bien-être extérieur, c'est loin de la saine doctrine. Malheureusement, 2 Timothée 4, 1, 3, à lui, les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Nous avons là, bateau à tonner sur l'église limitée, bateau à tonner sur l'église à Bandal, bateau à tonner sur l'église à Matete. Ce sont des gens, le Coran n'a pas ça à l'attaque bien, à l'ouki pasteur, à l'attaque le Coran est un big star, shock star. Sa peur. Sa peur. Donc, il y a un gars qui bon mot. La Bible dit, Bangonde va provoquer votre abandon. Les gens ont compris qu'il y a des gens qui veulent que Black Sabon va cacher. Black Sabon va veste. Black Sabon va foutre la shock star, la big star. Si on monte à ce pays, il y a un an, il y a un an. Si la Bible le dit bien, Batouana, Bangonde va faire la foule à Batouana. Les bandes de scène, non? Doctrine. Entre les cités d'un mot, les athées. Je dirais quelque chose aussi, j'ai un prophète. Un prophète. Je dirais quelque chose. Sa femme va prendre son ministère bientôt. Moi, si je vais remplacer la place. Souvent, on va remplacer moi si un prophète, mon coup. La place, c'est un prophète. C'est-à-dire, le prophète, on a sali l'actualité, ma casse. Mais pas tout à l'andakana. Dans une bonne mémé, il y a un message. Bon, on va y aller ainsi dit l'éternel. Qu'il se prépare. Parce que bientôt, à ce moment, mon katata. Il s'est tellement moqué de Dieu que le message est arrivé. Dieu dit, dites-lui, il est à ma tête. Pour qu'il ne se trompe pas, il tombera d'abord malade. Après cette maladie qui s'aggravant, l'Éternel va le récupérer. Il est dans la liste de ce que Dieu va récupérer bientôt. Vous le verrez dans la suite des temps. C'est pour te dire, Awa, dans la carte, il y a 5 doctrines, bah oui. Ils ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Si vous parlez de la Bible, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que la maman vous avez dit que 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 vous avez dit ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réunir deux ou trois réunis en nom de l'Éternel pour parler de que mangerons-nous, que boirons-nous. Si tu vois un prédicateur tout au long de son message, il insiste sur le bien-être. Il insiste sur qu'est-ce que les gens doivent manger demain. Or, les hommes ne font personne lire. Amen. Que l'Éternel personne bonjour. Amen. Les hommes ne font personne vie à ma langue. Donc, c'est qu'un prédicateur monté de toutes les pièces par les gens qui ne veulent plus entendre parler de la saine doctrine. Foulons-nous sur vos hommes, mais avant de la commune à insulter. Mais avant de la commune à parole, ce sont les gens de la catégorie de 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Ils ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Donc, ma terre est un homme à Golia. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a tout la saine doctrine, les amis. Comment papa? De qui serons-nous vêtus? Toi, car toutes ces choses, ce sont le païen qui le cherche. C'est une communauté de païens. L'unité quartier Andy, Anisilien. Première rue au 17e. Mongo, Mongo. Bilia, Bilia. Bilamba, Bilamba. Alors on nous dit ici. Bateau, on a passé un voyage. Bateau, on a passé un voyage. Et l'autre, on a passé un voyage. On a passé un voyage. On a Baloubi, ils arrivent à païen. Donc, c'est-à-dire, le païen aussi se regroupe avec un homme de Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes
parce qu'ils n'aiment pas la scène et doctrine. Et nous avons commis quoi? On dit. Rome maintenant, à la nuit, la tombe, nous partons à l'église. Non, ce sont les païens qui se retrouvent. Et cet ensemble de païens ne se retrouve pas au nom de la scène et doctrine. En accord avec 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2, ce sont des gens qui se sont créés eux-mêmes un docteur qui les enseigne selon leurs penchants. Rassemblement des païens. Ah, papa est la semaine. Tu n'as pas au ministère, lui, au ministère, alléluia. Attention lorsque tu suis le Seigneur Jésus-Christ pour des biens matériels. Tu es un païen. Colossiens. Alors, nous sommes véritablement au monde. Tant qu'il est. Mais en attendant, pour son effort, en volant les roues, ton coco est en apocalypse de l'autre jour, tu vas tourner dans le roi pour pouvoir faire asseoir la scène doctrine. Comment, mon cher? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Papa, la vie de l'écolo, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bon, et bon, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça le problème. Ne venez pas à l'église pour chercher le royaume de la terre. Il y a des prédicateurs du royaume de la terre. Mais ce ne sont pas des docteurs de Dieu. Ce sont des docteurs que les gens se sont créés eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Dans le titre du marché, il y a des prédications qui sont vendables. Au moins, il m'a terminé sur terre l'Apocalypse. Alors, par rapport à quand même à terre, là, oui, à quel moussi gâté. Alors, je l'ai côté ma terre, bah, tu as l'ingé à côté. Ah non! Bah, tu as l'ingé à côté, papa. Bah, il y a tout le nombre de la vie. Bah, tu as l'ingé à côté, l'humanité, c'est que tu vois, wap. Si quoi? Bah, la vie, bon, nous, quand même, on compte à l'écolo, il y a l'écolo. Si quoi, on compte à l'écolo, faut comprendre que ça, wap. C'est là où maintenant, bah, prédicateur, bah, bunga. C'est qui a été fabriqué par les gens de l'humanité. C'est de te fabriquer par les gens des banales. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Posons les formes. Les formes. Avalons les roues. Le rouleau. La Bible est une grande forêt, mon frère. Si tu y entres, ok, pour retrouver le verset donné au peuple, tu sors chaos. Béni soit le nom de l'Éternel. Colossiens 3, 1. Colossiens chapitre 3, le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si toi, nous tous ceux qui as eu baptême, en accord. Avec Jean 3, en accord avec Romains 10, 9, en accord avec Jean 1, 11 à 12, au quoi tu n'as pas eu la vie de à titre d'information, baptême yassène et doctrine, et ça va vraiment tout le monde tout. Baptême yassène et doctrine, ou y'a testé à la couffe à pelle pour le monde tout, et ça va vraiment y'a dans le monde tout. Baptême ou attesté à la résurrection en Jésus Christ, et ça n'a peine assez à drapoter. Baptême ou attesté à la résurrection, et ça n'a qu'à terre, ne qu'on en aille, passage de feu. Et ça lui baptême au côté de la main Moubimba. Obini Moubimba dans une eau qui coule. Ça, tu as fait l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est le signe extérieur qui atteste que. On limite le christianisme. Soit c'est la moitié, on continue la fenêtre. Faut tout bander. Alors, soukou, les gars. Alors, soukou, les mains. Là, ça va, mon nom. Pour le moment, il la quantité. Si toi, Valérie, si donc vous êtes ressuscité en Christ, même si ça se comprend, Valérie, dans Matthieu 6, c'est 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors, pour rechercher le royaume de Dieu, il faut appartenir au royaume. Mais pour appartenir au royaume, il faut être né d'eau et d'esprit. Or, naître d'eau n'a pas d'explication. Si on t'a dit, 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 si on va le tourner à Moutouna, n'importe quoi, bon, c'est belé, on a un prophète, voilà. C'est pas un problème. Mais Dieu me dit, parle, s'assire, exhorte, avec une très grande longanimité. Ton âme est battue. Si on a un solo, ceux qui ont un solo, on a un solo, on a un solo,
bosse quoi la commune hier. Condition encore, n'est qu'on la kisake, il y a solo bosse quoi la Yesu. La Bible accuse tout le monde, la Bible ne cache rien. La Bible dénonce tout le monde, et moi et les autres qui suivent. Si que l'homme qu'on la kisabiso, que yo, on sait quoi la kati na Yesu. Que le ministère, les yeux bronzés de l'éternel, l'humilité résidentielle. Ministère, la poitrine colorée de Dieu. Ton salaire est aussi bien, ton acquérir. Oh, ma vie, son côté, ton réveil à Kabat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condition. Et le bini. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui vous séquine à Yesu, cherchez les choses d'en haut. Donc, tant que vous êtes dans cette ecclésia, vous avez dit que vous êtes tout. Aïe! Pourquoi tu es venu dans la compagnie? Ah! Donc, comment tu es venu dans la compagnie? Papa! Diable, c'est la mabelle! Lucas va tuer le Nicolo. Je vous assure que nous allons détruire les hôtels pour que l'éternel vous bénisse. Les hôtels, voilà, ils ont passé à Satan. Le même chose dans la compagnie, il y a Nicolo. Posez la yuna nos lobités. C'est pour te dire, c'est très facile d'identifier les fossoyeurs des Écritures, les contrefacteurs de l'Évangile, les pirates de l'Évangile. Namuna konabango, membres angakati. Et membres angakati, de l'époque de Canada, en présence du Saint-Esprit. Recherchez les choses d'en haut, tant à mon cher. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, il faut que ça fonctionne dans deux choses. Et l'autre matière va tout là-haut, c'est d'abord l'évangile de la sainte doctrine. La révélation des fils de Dieu. Deux, c'est la prière. Mais alors, Balobini. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Parce que y'a un homme qui a bon mis au final. Il n'a pas mon qu'il était. Les cinq positions que les femmes aiment beaucoup. Ah. Homme de Dieu. Homme sexologue. Vous les entendrez les choses parler. Les cinq qualités de visage que les hommes aiment. Mais vraiment, pasteur, tu t'es transformé en bête sauvage. Toi que nous croyons que tu étais avec nous. Bisous de l'écart que pasteur est aux Akana Bisso. N'ayons paix. Tu vois, comme on a affiché partout. Je suis malobé à Bokebobombani. Vous allez m'aider à venir à Bobombana. Et vous savez que les hommes de Dieu commencent à faire des crimes maintenant au Congo. Bête des champs. Le ministère des canapés. Ah bon? Canapés. Donc, pasteur, on va psychiatre, un psychanalyste, un sexologue. Nous sommes un peu sa cour de la sexualité didactique. Alors, on va sortir de là-bas. On va aller voir la main. Très bien, on va te retourner, c'est bien, on est là. Après, je savais pas trop me commenter. Moi, la mignon, ça. Frère, mon bon, est-ce que tu es dit, Homme de Dieu. Osaka homme de Dieu. Jésus, Osaka homme de Dieu.
Dans le cas où on a dit, 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 on a travaillé, on a dit, 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 on a Tout le bâti, des choses d'en bas. Moi, je n'ai pas eu mais papa, le bio, ça danger. Dans l'industrie, il y a masturbation. Allez, c'est des pasta. Il y a un mec qui a la fan. Il y a un mec qui a la fan. Il y a un mec qui a la fan. Canis qui coule, le chèque qu'on dit la veille. Et au moment où je vous parle, Pédia le dit, n'a travaillé à tuer, à commencer à ceux qui te silent, ne bouge pas, l'Éternel m'a dit des choses sur toi. Bah, il s'est dit, 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 pasteur qui transforme la grâce de Dieu en dérèglement. On l'entend à Romain, on lit Romain le Bible pour la Batouane. Quand il commet des bêtises graves, Batouane, à son fait de sexe, les yeux remplis d'adultère, l'impudicité qui atteint son paroxysme. Et tu appelles ça élévation. Je vous dis que Dieu va tuer un prophète dans un pays. À comme mon prophète, moi, je suis matériel là-haut. Dans le bien, plus de quatre fois. Pour moi, je vais moi, si je suis en place. Cela arrivera pour que le peuple sache. Comme c'est moi qu'on parle de Dieu. Et que Dieu donne à l'homme un temps pour se repentir. Mais si le méchant ne se convertit pas, Dieu dirige vers lui des très meurtriers. Il bande son arc. Il le place comme sa cible afin que l'humanité sache que sa colère est lente. Mais elle finit toujours par arriver. Papa, pourtant tu as été un souci pour vous. Merci beaucoup. Et non, ça m'a souci, mais ça m'a dit beaucoup. Tout le monde souhaite que le pasteur a sa pédé. Tout le monde souhaite que le pasteur a sa lesbienne pédérasme. Parce que ça va bêtise dans la carte, mais si on a dit que le monde est en train de se faire, on a dit que le monde est gentil. Mais on a dit que le monde est en coulisses, Je connais beaucoup de gens maintenant. J'en connais des églises, des gens avec qui nous rions la fois passée, mais qui aujourd'hui continuent à baptême le cinq défauts des hommes. Nous avons l'internet comment les pasteurs avec les thèmes, les cinq défauts des hommes. Au moins, on a dit que c'est compliqué, c'est très grave. C'est, on va boucler cette parenthèse. Merci. Sinon, vous avez annoncé que cette année, Dieu va encore balayer la cour. Et jusque-là, il y a la disparition de trois pasteurs au Nigeria. Donc, dans l'espace de 6 heures du temps. Votre réaction. Mon frère, recherche les missions au tout ça, il y en a février, mars. Sur comment décoder, il a été dit clairement que cette année, Dieu va balayer. Tout répéter, comme si je ne me trompe pas, avril, mai, que Dieu va balayer le monde spirituel des Africains, même en Europe. Ne t'inquiète pas, les 6-7 mois qui restent, vous serez nourris des événements sur la communauté des chrétiens.
pour laisser place à la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération va commencer, nouvelle génération qu'on n'a pas annoncée aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 3. Posons les fondements. Mmh. Avalons les roues. Les roues. Ah, éternel. Non, t'as mal, madame. Trois maléquines à la mort de Nigeria. On a passé ici, je l'ai redit. Timmy Joshua. Et j'entends quelqu'un qui écrit paix à son âme. Ah, toi tu penses que l'âme de cet homme ira en paix. Avec tout ce qu'il a fait comme bévue. Avec toutes les personnes qui sont mortes. Dans le building de Koya Kouna, dans l'Afrique d'ici. Avec ma pratique que ma maman va dénoncer. Il y a des vidéos de maman qui dénonce qu'elle a abusé Bango pendant 13 ans. D'abord, je ne vais pas raconter des diffamations sur lui parce qu'il est déjà mort. Mais est-ce que vous savez que ce type était un musulman? C'est M. Timmy Joshua. Vous savez que tout temps présent dans les églises de Réveil, il vit musulman. Et maintenant, on ne peut pas le Rwanda. Et Kobanda Naliwa Yamutumo Kwawa Aza prophète. Maman le Beko Milaye. Et puis Nazo Talonaloba. Je sais que mes collègues ont répondu Mingi. Mais avant de répondre le message, Zoate à Goussamé. Parce que tu ne viendras mettre en appui que l'eau comme on va utiliser Nkolo Rosalati. Alors, fais attention à ce que tu vas dire. Tu tomberas malade sérieusement. C'est dans les jours à venir. De cette maladie, tu mourras. Parce que l'Éternel a dit, au sanguissier mingi en piste. Et comme elle est, même dans le bas, on a salosolana. Il s'agit de toi, tu le sais. Et c'est pas la première fois que j'annonce un malheur qui vient. Je ne suis pas le premier à l'annoncer. Apocalypse 9 a dit malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. C'est pas le premier. Tu vas nous quitter bientôt. Prépare-toi à rentrer au Mogatata. Dans ma commune. Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Et là, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Les prophètes, son temps est arrivé. Prophète a aucun dé. Soit la tembe, alouka émission, on a salaire à la télé 50. N'a tout tout caraté. La colère de l'Éternel a atteint quelqu'un. Et je suis en train de le dire, il ne faut pas vous leurrer le visage. En 2022, Dieu va balayer la cour des politiciens qui ne vont pas participer en 2023. Certains de ceux qui font des bruits, notamment la TV, qui vous dit que vous serez là en 2023? Interrogez les prophètes qui sont avec vous. Ils vous diront ce que la nuit vous cache. Politiciens, arrêtez de vous vanter. Est-ce à l'opposition, est-ce à la majorité, est-ce à l'union sacrée, est-ce à la union soana. Recherchez l'Éternel pendant qu'il n'est pas encore tard. Votre sanction va commencer au mois de janvier, déjà avant le 31. On ne se moque pas de dire qu'on va partir à l'Éternel. Vous pensez que c'est en vain, le volcan de Moninagoma. Et vous pensez que c'est en vain, le Nirangong de Zotomoka. Suivez comment décoder. Il a été dit, tempête Kobeta, le volcan de Zotomoka, le tremblement de terre. On va lui partir à l'Est, voilà. Je peux vous assurer, ça fait partie des bénéfices des terres de l'Éternel. Tout ce que vous ferez comme diplomatie cachée, même si la population ne connaît pas, Dieu vous empêchera d'atteindre vos objectifs là-bas. Ça, non. Et lorsque l'armée ne saura rien faire, la nature se défendra elle-même. Nous sommes des guerres avec tous nos vaillants combattants. Mais ce que moi, Baka, je ne veux pas, c'est de la propagande de guerre. Ce que j'appelle en bon français médiatique, le média mensonge. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas de la catégorie des gens qu'on peut tromper facilement. Mon silence ne veut pas dire que je suis ignorant de certaines choses.
Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous fermons cette parenthèse. Et nous allons continuer avec, en commençant par le devoir. Et nous allons avancer. Nous sommes dans comment décoder. Comment décoder tous les livres d'Apocalypse. Dans l'écriture, la écriture Moko. Et c'est très très important. Parce que, nous sommes en train de dire, mais il y a un frère Roger Grand dans l'Apocalypse. Avant de changer le livre, non. Prenons Apocalypse. Je voudrais que tout le temps a une référence qui est très importante. Ça va nous permettre vraiment de donner à chacun la position. Pourquoi je parle de l'Apocalypse? C'est pour permettre à notre base en Europe, permettre à ceux qui sont en Amérique, permettre à ceux qui sont en Asie, de connaître une vérité imminente que personne ne va ignorer, ni toi, apôtre des Antilles. Le monde est divisé en deux catégories. Il n'y a pas des intermédiaires. Il n'y a pas des intermédiaires en matière de l'évangile. Nous appartenons soit à la catégorie A ou soit à la catégorie B. C'est-à-dire qu'au milieu, basaté, côté A, c'est Dieu, côté B, c'est Satan. Et que tout acte que poseraient les hommes dans le temps où nous sommes, soit ça aura des conséquences vis-à-vis de l'éternité, du côté de Dieu ou du côté de Satan. Alors Apocalypse vient te dire position de toi, l'humanité est envers sa fin. Colossiens chapitre 1, verset 13. Posons le fond. Avalons les roues. Le rouleau. Aïe. Mais on a supporté. Là, on peut seulement verser de l'être au premier trou. Tanga kananda, s'il te plaît. Tanga kananda. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Tout est en commonais. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivré de la puissance de ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. 14. Papa. Ténèbres. C'est-à-dire, nous avons dit en elle. Comment les gens sont battus? Abiki Sayoko, Nakino qui a arrière parent, Yobima, mais à Tigabongote. Parce que l'intermédiaire n'existe pas. Ou tu es dans les ténèbres, ou tu es dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Il faut dire ça à tout le monde, même à ta femme. Faut savoir Jordan ou Yosu. Destructeur à double tranchant. L'humanité évolue dans deux puissances qui sont les sphères spirituelles, mais opposées l'une à l'autre. Chacune d'entre elles ne fait que ce travail, conformer les gens à elles-mêmes. Donc, si on croit dans le monde des ténèbres, on croit conforme dans le comportement du monde des ténèbres. C'est-à-dire, vous allez passer par transporter, qu'il y a dans le monde des ténèbres, c'est fini. PD. Consommateur potentiel de PD. Vous savez, vous déchirez votre organe et votre animal. Si vous avez tout posé au nom, ils ont la pratique, ils ont un problème, ils ont une capacité. Eh, limité. Tu ne cesses pas de marquer des billes. Non, on va pas te dire, on se conforme. On tient comme à tout Jésus-Christ. Hein? Les deux mondes sont opposés. Tu tombes dans le royaume de Dieu, tu te conformes au royaume de Dieu. Donc, c'est une erreur grave. Au moins, on a terminé dans ton mot, à ce temps-là, à l'habitant dans le monde uni. Tu as des sur moi, ingénieur. Vous savez, un film dans Jésus de Nazareth, il faut tout mettre dans le monde de Dieu. Positionne-toi. Mais la paix, c'est pas t'attendre 30 secondes, non. C'est positionné. C'est positionné parce qu'on va se conformer. Quand on va te conformer à la qualité, maman, ma sœur, on s'arrête. On consomme, maman. Maintenant, on s'est retrouvé au milieu de 5. Oui, bah, s'il te plaît.
Je ne sais pas si tu as un conseil. Monde à côté à ténèbres, et les habitants de la terre. Autrement dit, le païen, c'est à eux que s'adresse la colère d'Apocalypse. Mais pendant que le royaume de Dieu est encore sur terre, il y a des gens qu'on appelle les habitants de la terre. Covid, non, la sanction, et c'est à Bango. Et puis, sauter. La conséquence, on croyait en Apocalypse. L'Éternel frappe les habitants de la terre. Il y a un cas où il y a un sou, dans un pays à Awa, ceux qui ont dit que malheur, ils ont eu un cas. Il y a un cas où malheur, mais ils ont eu un temps pour se faire. Donc, on a un monde à la rater. Tu connais pas le monde dans lequel tu as parti. Faisons l'effort. L'effort, bon. Alors, papa, on a tous un bon apocalypse. L'autre, c'est un d'abord, Apocalypse chapitre 9. Nous aussi, ça l'est parti, nous aussi, ça dit 11 à 12. Après, tu continues. Sixième trompette. Apocalypse chapitre 9, versets 11 à 12. Ils avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Basala qui est le colonne à Bango, Mokonzi, Mokonzo, Abenge, Mokonzi, et bien c'est quand même Olili. Nommé en hébreu Abaddon. Babengi est d'abord un rébellé Abaddon. Et en grec, Apollyon. N'est-ce que ce qu'il y a dans le langage grec, on a besoin d'évangile pour la propagation au Liban, mais on a besoin d'Abaddon, on a besoin d'Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Mais il n'y a pas de malheur à l'Amérique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Australie. Tu vois l'apocalypse, l'année à quand on va ouvrir le monde. Mille années et souillé les sous. 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Ange, sixième, a bêté que le roi, voilà ce que nous sommes à Jordan et bas. Les bandits. Pour y avoir un mixage, j'ai des caméras, problème. Il, mais ça me sonne une trompette, Jordan. Sixième trompette, Jordan avait a bêté. Et le bébé. J'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est dans devant Dieu. Donc Jordan a son quatre cornes. Abimi ça il y a mis balai, il y a mis ça, il y a mis nez. Mais à ça le corps a fait vapeur mon Nicolo et la trompette mon Kebeti. Mais la trompette les a roulé. Et la qui s'est mis? Comment dire? Les codes. Ah, Batamaye le bousso a déjà. C'est Batamaye le. Mais la mort de Batamaye le mouvement Belgique a tigra. Il y a ces cas sur le Bible Abimi. Sur le Bible Abimi. Je ne sais pas si tu as un problème. Qui sont liés sur le grand fleuve des frates. Comment tu as un ange? C'est bien. Ange, il y a quatre. Quand tu as un bassin, tu contrôles la rivière Euphrate. Si tu as un lacou, tu as la rivière Euphrate, tu as un continent. Parce qu'on peut comprendre, rivière ou un rôle dans l'histoire de l'humanité. Ange, il y a un ange. Mais tu as un par motif d'Apocalypse. Par motif des événements du temps de la fin. Si tu as un son, tu as un bassin. Rivière Euphrate. Comment, mon cher? Et le quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année firent des lieux afin qu'ils tuent les tiers des hommes. C'est-à-dire que, à partir de la rivière Euphrate, quatre anges ne sont pas en train. Le col à Bakanga, ange à la binaye, fongo la ange 4 yo. Je suis pas de trompette. Fongo la bateau ange 4. Rivière Euphrate, et quand tu as peine à courir, il y a un événement, il y a un abeur pour la scène à Mokini.
Siko, ma belle encore la scène à mon kili, et ça y ange, il y a escadron de la mort. Horaire, escadron de la mort. Journalier, escadron de la mort. Il y a les misous. Moi. Il y a moi, mensuel, non. Année. C'est-à-dire, tant que la période, moi, quoi, ouais. Tout en sachant que, combinaison au Salema, à partir de 2021 jusqu'en 2024, l'humanité sera prise en charge totalement par la destruction écologique telle que prophétisée depuis ma tête qui s'entoure. Tout le monde est en train de destruction écologique. Je te dis que même aux États-Unis, hier ou avant-hier, nous l'avons au Canada. Asie, comment est-ce que l'autre? RDC, pendant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons a provoqué mon tina Esta. Si l'humanité est prise en charge par la destruction écologique, l'ouverture, il y a quatrième saut. Et quand il y a cinquième saut, Sangani, si Koyo, Batoubando Koufana, heure, c'est-à-dire que l'amour qui 800 personnes vont confiner à 12 heures. Écrivez cette prophétie, notez-les. Parce que quand on a dit dans l'émission Apocalypse et Pandémie qu'il y aurait une troisième vague, tout le monde dit. Mais il y a un célibat, je ne sais pas où on a mis le coin à côté de la canne. Singai. Na fête ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmani derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye nzambe akosa kate. Ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek. Disponible. Bien aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetu et Kendaka, il y a voisin et autre voisin. Ce qui est c'est que solo fait ça yoko sala boko na te yayo yakanangwao merci merci.
Nous avons dit qu'il y aura une présidente. Et maintenant, c'est une préparation à Yoko. Il y aura des gens qui vont mourir par elle. Baoga, un jour, on va tout parler. Jour, Azali. Et comme madame, moi. C'est-à-dire que la mortalité va évoluer. Pourquoi? Parce que, il faut passer à la diminution de la population mondiale. C'est un événement qui rejoint la pensée de ces gens-là pour les dénoncer. Comment mon cher Van Azogana n'a pas donné à Napoléon? 16. Le nombre de cavaliers de l'armée était. Des myriades et des myriades. Des myriades de myriades. Bon, si quoi, yo, t'osonnier. Sortez dans mon candidat Apocalypse chapitre 9, 11. Balobi, elles avaient à leur tête un roi. Oui. On parle de sauterelles. Mais la question, c'est de savoir si vraiment ce sont des sauterelles physiques. Est-ce que des sauterelles physiques ont-ils des rois? Question. La réponse démontra. Démonstration. Potoyeba, est-ce que Nenge Apocalypse a son roi? Que les sauterelles avaient à leur tête un roi qui s'appelait Abaddon. Pour décoder, il faut se poser la question. Est-ce que les sauterelles ont-elles des rois? Si c'est vrai, ils ont des rois, donc ce sont des sauterelles physiques. Mais s'ils n'ont pas de rois, il ne s'agit pas des sauterelles, il s'agit d'une expression qui parle du livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 14. Vérifions psaume chapitre 30, le verset 27. Est-ce que les sauterelles ont-elles des rois? Nous en les fonds. Avalons les roues. Les roules. Nous en. Psaume chapitre 30. Le verset 27. Maintenant, vous vérifiez qu'un papa a les arts d'écriture. Hosanna. Et Robinine. Psaume chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 27. Proverbe 30. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. En attendant, on va s'en prendre dans la quoi. Pour te couler les écritures rapidement. Job 26 et 6. Job 28 et 22. Ici, Proverbe 30. Topé-moi. On continue. Proverbe 15, 11. Les sauterelles n'ont point de roi. Apocalypse a le bac, elles avaient à leur tête un roi. Mais ce qu'on a dit, le proverbe va se contredire à l'habité. Ma sauterelle va s'en avoir un roi. Voilà comment la Bible s'interprète. On dit ici que les rois s'appelaient Abaddon en hébreu. Le nom Abaddon, dans le langage de la Bible, signifie un des démons le plus élevé dans la hiérarchie satanique. Mais la signification du mot Abaddon en hébreu veut dire destruction. C'est-à-dire, il y aura un vent de destruction qui va passer. Ce vent-là symbolise l'une autorité satanique hiérarchique qui est dans l'espace céleste. Mais lorsque celui qui est dans l'espace céleste qui s'appelle Abaddon aura fini de détruire la terre, il y a celui qui habite les abîmes, le lieu infernal. Celui-là porte aussi le nom d'Abaddon, mais pas en hébreu. En grec, Apollyon. Apollyon en grec, c'est le verbe détruire conjugué au temps de l'indicatif présent, première personne du singulier. Je détruis. En grec, on dit Apollyonie. Avalons la science. Avalons la science. Apôtre des gens. Ça, c'est les chaos total. Avalon les roues. Alors, il s'appelle en grec Abaddon. C'est une autorité qui renvoie à une hiérarchie céleste. Mais après avoir détruit dans l'espace céleste, il entrera dans les abîmes. Là, on ne l'appellera plus Abaddon parce qu'il est dans l'espace céleste.
Il l'enterra dans l'espère infernal pour encore détruire. Là, on l'appelle maintenant, dans le langage grec, Apollyon. Or, Apollyon dérive du verbe détruire. C'est-à-dire, il y aura un moment donné, la destruction céleste va rejoindre la destruction infernale. Abaddon rejoindra Apollyon. Or, Apollyon en grec veut dire tout simplement je détruis. Première personne du singulier de l'indicatif qui est conjugué en grec Apollini. Apollini. Reste d'Apollini. Donc, il prophète m'a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Le coup de la le coup de faible. Je vais le faire. 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 Maintenant, pour comprendre cela, Job 26 et 6. Parce que c'est le sujet. Quand tu as mangé, quand tu as avalé les rouleaux. Hein? Où ça? Comment est-ce que super. Au moins pourquoi pas trouver l'Apocalypse. Moi, quand attend l'Apocalypse, c'est passé à nous limiter. Attendez, il veut changer, commencer à parler ici des temps de l'affaire. Et moi, bébé, non, donnez cette affaire à Baka. Baka passe beaucoup de temps là-bas. Et j'étais hier avec quelqu'un qui m'a conduit sur une montagne. En une gazette, ça m'a vie. La Zaka, on a limité les bosseaux. Nous, on a l'Apocalypse. Elle vit depuis la Congo, au Caillou, on a limité à ce qu'elle est en là, c'est un petit peu de bonheur, soit une chose, c'est la terre. Non, c'est la terre. Mais t'es vieux, tu comprends, Hollande, surtout. Mon cher, l'émission est comment décoller. Et ça, très suivi. C'est pourquoi tu as un mot sous au tempéré. Malem, malem. Malem, le vocal, le vocal. Pour vous permettre la trousseau sous, il y a la race la poulie, d'Apouline. Apouline. Un prophète Apouline, n'est pas même une chose. Apouline. Non, il y a une raison de la justification, il y a des familles sont, il y a des familles sont, il y a des familles sont. Il y a la 16 step. Pouligne. Pouligne. On va faire que c'est le verbe de tout le temps présent de l'indicatif. Qui va l'information? On va faire. Aïe, 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 aïe. Mon corps a mis l'imbré, qu'est-ce qu'on a mis sauvé, aïe. Il t'aimerait un mari que l'on m'a mon colonie. Le col avec le royaume, on a qui bat le col à base. C'est la main à mon amalame. Apollini. Aïe. 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 C'est la main du camoy. C'est la main du camoy. C'est la mamie qui m'a envoyé souhait. Eh, ma pasteur, ma yembi, tu es ma vie n'a pas envoyé. Ma yembi, tu n'as pas envoyé. Ma yembi, tu n'as pas envoyé. Ma radio, yesu bambou, en quel n'a pas envoyé. Ma telle n'a pas envoyé. Ma yembi, ma kakou faya, oye. Oye, hein. Ah, mon monsieur. Aïe, ma yembi, quoi? Et il y a tout à l'heure, la destruction, il y a ma délai. Même que l'on vient là-bas, la soeur vient là-bas. Ok. Si que Job a confirmé sur la 26. Job chapitre 26, verset 6. Et le bénit. Devant lui, les séjours de mort et nu. L'immensur n'a yé. Mais si tu as un peu de coups, fais un mini. Pour l'élé. C'est-à-dire, il y a un moment d'apocalypse sur la Romine, il va rejoindre Apollyon. Pourquoi il va rejoindre Apollyon? Parce qu'Apollyon, il va faire le détruire Batouma Koufa. Sur Batouma Koufa, nous avons dit, des autres malheurs viennent. Ce qu'on va signaler que Moukanda contre la Moussala, ils sont sous sa main d'ondée. Abandonne vos amis de la destruction et l'écologie.
Si quoi mon niveau quota, le monde infernal y a Satan. Satan n'a pas tant que ça, il est mon co. Au quota, il y a, et qu'on fait voilà, mon yaku, yakufa. Tant que l'on couvre par heure, on couvre par jour, on couvre par mois, nombre y a un cerveau. Oh, la joie, comme on va tout micro, la carte de la moukini, on va ça, il y a Apulini. Oh, la mec, le diable a détruit pas beau. Au moins, à partir de septembre, octobre, novembre. Nous avons ce que nous avons dit. Tant qu'avant ça, le montage, partir de ce qui est un caractère prophétique. Oui, si je regarde, le mot est un mot, ça ne va pas. C'est ça. Septembre, octobre, novembre. Nous allons connaître des décès. Parce que, pendant que nous sommes pris en charge, par la trompette qui frappe 4e et 5e, destruction des écologies, écosystème des obéis, la fleur des autres mouques, la rivière des autres mouques, la troisième permet de rivière Euphrate par Kéna. Les 4 et 11 qui étaient liés pour maîtriser Euphrate seront bientôt déliés. Ce qui veut dire, quand on dit devant lui, les portes de séjour de mouques sont nues, il mourra avec sa mine, bateau va couffa, non, on va confiter. Mon ennemi ça va chaos debout. Vous entendez à Paris, vous voyez dans la télé qui boum. Et ça se soutient au nom, bah que l'hôpital va réanimer partout. Vous entendez la bonne moule mouton arrêt, quatre ma poille boum. Il faut mettre ça de côté, les angoyangai. Si vous appelez, nous avons préparé ce que vous avez, sixième trompette. Voici les langages d'Apocalypse. Devant lui, les séjours de mon sont nus. Mais est-ce que tu as su qu'il y a un nom? C'est ton combat. 28, verset 22 du livre des Job. Et ça page beaucoup. 68, verset 22. Et le milieu. Le gouffre et la mort. Gouffre et mort et cité à Koufa. La Koufa, le milieu. Disent. Yoga. Et si tu as mort, tu peux la gâte à Koufa. Et si tu as mort, tu peux la gâte. Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Proverbe 15:11. Prenons le fond. Avant le roux. Le roux. Quand tu connais les camoïtés, la verset est béret pour le roi. Nous avons dit que c'est un peu de temps, mais nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. Je m'appelle en France Marguerite. Je suis la sœur Mamie. Je suis le frère Papi. Je suis la sœur Lydie. Yébisaïe, maman, Yébisaïe, maman Margot. Yébisaïe, maman, nous sommes dans la photo. Tu as mis la tango, 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 tango. Le baka, j'appartiens au monde dédié. Ce sont nos idées. Mais quand nous sommes la journée, on s'est conformé. On s'est conformé à ce qu'on nous ferme dans la tête. Comme former et à qui si tu prendrais la forme qu'on va donner, la forme est idéale. Or, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pour qu'il ne pas se conformer, il faut s'autoproclamer, il faut déclarer l'appartenance totale à Jésus-Christ et Nazareth. C'est comme ça que je ne peux pas se retourner dans la moi, ça. Exact. Tant que mon cher proverbe 15:11. Le séjour de mort et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien le plus, combien plus le cœur. Le fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne veut point vers le sage. Il ne va point vers le sage. Il y a ça là qu'une fois. Ce malobélio, on le sait dans notre documentaire. Au bout de la notre tout le monde. Mon cher, mon ami, mon cher, est-ce qu'il y a un Nazaraki? Non, vraiment. Nazaraki, toi, vous avez une justice, vous s'en allez toi. Et l'autre est détruit une réputation, est-ce qu'il y a un camion, vous savez qu'ils ont gâté? Il est moqué la même fois qu'on lui répète. Vous savez, ton mari ne t'a pas fait. Mais à un moment donné, quand tu commences à conduire les grands hommes, il faut savoir se comporter comme un grand.
Les défenses, c'est vraiment copain. Mais quand tu commences à faire un choix avec les parents, il faut savoir que Koumi Moukolo. Il faut savoir que Makamoussou, il faut éviter un mot. On n'est pas parfait, je le dis. Mais non, Yosko Yoko, surtout hier, voilà, la vie, c'est là, les crèmes comme qui. Les moqueurs n'aiment pas qu'on les rêve, qu'on les reprenne. Maintenant, mon ami, et si quand moqueur a zoqué, il y a hier, psaume chapitre 88, verset 12. Psaume 88, verset 12. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre? Est-ce que va mettre un rabolam dans un zambé et si va te bakoufa? Jamais. Est-ce que tout le monde a été que les gens sont des amis qui séjournent de moi? C'est parce que l'Apocalypse a signalé qui? Bah, ange, on va voir la bâtonne à air, on va voir la moussala. Bah, ange, on va voir la réalisation de colère et en zambé, on va voir la joue, on va voir la moussala. Je demande aux gens qui sont en Amérique, positionnez-vous. Hein. Vous suivez ce message. J'ai dit à ceux qui sont en Europe, n'entrez pas dans le groupe des moqueurs. Déjà tout ce qu'on avait dit, vous le voyez comment ça vient, lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Maintenant ici, vous voyez le mot séjour, le mot se répète. C'est parce que les habitants de la terre, même l'église de Christ doit faire attention. Surtout la communauté des saints. Ceux qui disent qu'ils sont de la synagogue de Satan, qui prétendent être pasteurs mais qui ne le sont pas. Oulandana. Comment on va commis mon cher? De ta fidélité dans l'abîme. Proverbe chapitre 27. Non, ça va venir. Le séjour de mort et l'abîme sont insatiables. Insatiables. Et le mot là-bas, séjour de mort. Et si tu as un peu de temps, et si tu as un peu de temps, et si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un décembre. Politique. Frère, dites à vos parents, le séjour de mort est insatiable des pasteurs et des politiciens. Comme moi, je précise, vous verrez cela dans la suite des temps. Comment, mon cher? De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Oui, mais nous avons mis sur mon tête la gueule embarrassée, n'est-ce pas qu'on a et sur l'embarrassée. Mais maintenant, je voudrais quand même que les gens, la référence est toujours au temps. Pour tout ce qu'on va voir, pour tout qu'il vers la fin. Apocalypse 9, 13. À 14. Apocalypse 9, verset 13 à 14. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange. Malin de papa, bandez la partie, quoi, non? 13. Il faut prêter attention. Le sixième ange sonna de la trompette. Le sixième ange a été Kidelo, c'est quoi le nom de Jordan? Jusqu'au ange a commis sixième. Maintenant, je suis sixième, il faut que ma titre est emmené. Massacre satanique, deux points. Comment sixième ange, au sommet de la trompette, a commis deux points. Massacre satanique, Satan va massacrer. Je le répète, l'ouverture de la sixième trompette, massacre satanique, par heure. Je répète, bon, moi, je vais faire par heure. Je répète, vous apprendrez que les gens meurent par heure. Et mon nombre, on a vendu la porte là. 120 000 personnes en un mois. Bon, je vais vous la heure. Chico, mon bon est sixième. Alors qu'il voit, vous voyez, là, l'eau est bien. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Le quatre cornes. Papa, tu as nos quatre cornes. Mais c'est que quatre. Et si nous avons 20.
mon bon gamin n'a qu'à surtout identifier mon bon gamin. Qui donne l'ordre maintenant? C'est-à-dire, la colère de l'Éternel n'a pas cessé de se déchaîner. Maintenant, la colère de l'Éternel se déchaîne à la suite de la voix qui sonne parmi les quatre cornes. Mais cette voix est quelle voix? Posons le fond. Apocalypse 5 et 6, signe Messie quand même. Apocalypse 5 et 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Voilà. Et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont le sept esprit des dieux envoyés par toute la terre. Qui a été envoyé pour toute la terre? Car Dieu a tant aimé les demande. Il a donné son fils. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Hein? Bon. Mais qu'il ait la vie éternelle. Éternel. Maintenant on dit que celui qui a été envoyé là, la voix sort de lui. Donc, quand tout le monde a fait un kilo, ce sont des déchaînements de la colère de l'Éternel. Maintenant, il semble que, après sa voix, un événement se manifeste. C'est quoi? Lis la parole, mon cher. 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière de saints. Si quoi y'a tout comme il a niveau mambouleva mebela, quatre êtres vivants, si tu expliques à qui? Nios. Maintenant, les 24 vieillards, si lui ma coupe, j'espère que. Jordan, à la question de 24 vieillards. Tu 24, tu as demandé que tu aies un bébé. Mais quel est ton retour de 24 vieillards, Jordan? Il y a pour la sacre de ta vieille quand il y a un bébé. Il y a l'autre, ça te vieille à même. Pour la vieille, c'est toujours ça, le racisme. Pour la vieille, tu as un bébé. Ah, mais tu as un bébé. Tu as 24 vieillards. Tu as un bébé. Tu as un bébé. Tu as un bébé. Quelles sont ces coupes-là? C'est là où on nous montre maintenant que le 24 vieillards qui ont une signification, il y a des voix, ils ont introduit le ruisseau dans quatre premières coupes. Parce que après le sept sceaux, vient immédiatement les sept trompettes. Après les sept trompettes, vient les sept coupes. Mais ils sont toujours subdivisés en 4-3. 4-3, 4-3. Donc, cette logique est toujours suivie. C'est pourquoi le 24 vieillards annonce déjà le 4 premières coupes de la colère de Dieu. Mais c'est quoi la vieille roue? N'a pas référence à la vie. Ni. N'a pas de référence à la vie. Aucun matelabis au Mukanda Exode. Au chapitre 30, le verset 1 à 10, pour comprendre les écritures du livre d'Apocalypse. Aux âges. C'est l'Apocalypse, c'est toi qui savais. Il y aura des papiers sur le corps. Exode chapitre 30. Le verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Et le gars, comprendre. Tu feras un autel pour brûler les parfums. Ok, ok. Tu le feras de bois d'acacia. Au ressort, on a le bas, il y a acacia. Sa longueur sera d'une coudée. Moulaï, il a mort, et Zali, à Patrick. Une coudée. Et sa largeur d'une coudée. Largeur dans mon père, dimension. Il sera carré. Et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes où tu feras une bordure d'or tout autour. Allez! Vous voyez, les gamins d'autant là, il y a moins de préparer pour que comprendre ce que le langage de cette trompette. Mais c'est tellement connu qu'il y a beaucoup de symbolisme dedans. Si nous y allons rapidement, certains risquent de ne pas comprendre de quoi il est question dans le livre d'Exode 30, le verset 1a. Ce qu'on a mis tout le temps dans mon cas, la lecture dans l'ont interprété, peut-être les journaux à la mesure du possible. À l'administration de l'Okwana. Si le temps que nous aurons prochainement, la semaine prochaine, ça serait pour décortiquer
trompette et sa sixième à la lumière d'Exode qui signifie la sortie pour donner à chaque élément sa signification réelle. Car quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. C'est le temps où Daniel a dit la connaissance de l'Éternel éclatera. Et par leur connaissance, ils seront plusieurs. Tout ce qui est on continue. Place aux gens à illustrer. Pour signification de qualité de voir. Devoir à domicile. Quatrième verset, nous continuons. Donc, la quatrième verset. Tu feras au-dessus de la bordure des anneaux d'or aux deux côtés. Et la décennie. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir le bar qui serviront à le porter. Et la décennie. 5. Tu feras le bar de bois d'acacia. Tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face, tu propitieras piatoire. En face du propitiatoire. Qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. 7. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera le lampe. 8. Il en fera brûler aussi entre le deux soirs. Voilà. Lorsqu'il arrangera le lampe, c'est ainsi qu'il en brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. 9. Vous n'offrirez sur l'autel nu parfum étranger. Bon, qu'on compte ça. L'icône à hôtel, parfum moko ya liban laté. Ni holocauste. Bon, comme on appelle sacrifice seigneur à liban laté. Ni offrande. Bon, je vais offrir les liban laté de cet hôtel. Et vous n'y répandrez aucune libation. Bon, je vais offrir les camomons à la katukunate. 10. Une fois. Malamoko. Chaque année. Nous la nions. Aaron fera des expiations sur le corne. Aaron a compétent là. Avec le son de la victime, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte. Donc, nous nous sommes très bien. Awa, Souza, Moudien, Zamete, Apouli. Maintenant, très chers amis, amoureux de la saine doctrine, concitoyens du royaume de mon Père, membres du royaume éternel, dévoilez moi. Il a qui s'est mis de au coup, t'en as suivi prochainement. Pour que tu m'aies dans l'exode, elle peut t'expliquer au moins. Dans un apocalypse, mais il a envoyé Bissona et dans Exode pour la compréhension des Apaton, des Apollon et ouverture et sixième tronc, trompette. Ces jours de mort et tombité. Quand on est dans le confessus, c'est B, nos autres, Bill Gates, Azoluba, il faut diminuer la population mondiale de 9 milliards à 3 milliards. Ce sont 6 milliards Rwanda, assez à moins qu'on a les Rwanda. Or, avant il y a le Bagabou, Apollon. Asi à l'obat d'un apocalypse qui est bako koutana na abadon po batu bako koufa ba sa rebele ba pounda bako kota mou mabatu ba sa ka myriade et de myriade liwa ya mou ekobeta l'Europe mou koloni nini ekobeta l'Amérique mou koloni nini ekobeta l'Asie mou kolo nini ba batu na biso sekouya yon l'obat kaka frikite mon ami l'obat kaka frikite mon cher. L'Afrique, c'est la nation qui va restaurer l'évangile pour les ramener vers les continents où les habitants de la terre ont méprisé la loi de l'Éternel. Nous n'avons aucune éducation à recevoir de l'Europe en matière de l'évangile. Nous n'avons aucun enseignement à recevoir d'Asie, même d'Israël. Car il est tombé dans l'abandon spectaculaire de la foi. Celui qui a transporté la croix de Meshéa. Celui qui a pris la croix de Meshéa. A même à moi, à comment on a monté la Golgotha, le lieu de crâne. Un Africain. Pour dire,
deviendra dans la suite des temps. L'achèvement, le temps de la fin, l'évangile sera transporté par les Africains jusqu'au bout de l'humanité. Que Dieu bénisse l'Afrique, car son heure est arrivée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo dans son rendez-vous du 30 juin 2023. Oh, une période redoutable pour les politiciens. Redoutez l'Éternel car vous ne savez pas combien partiront. Redoutez l'Éternel car c'est l'année où il veut présenter la RDC devant les nations. Redoutez l'Éternel car un jour suffira pour que les gens tombent en heure, en semaine, en mois. Oracle de l'Éternel. Pasteur, tu n'es pas dans la salle de doctrine, rentre. Car bientôt Dieu va passer et il va encore balayer. Nous voulons demander à ceux qui habitent la terre, à ceux qui estiment qu'ils ont perdu la foi, à ceux qui savent qu'ils ont compromis avec l'Éternel, le salut est gratuit. Venez, fuyez la colère à venir de l'Éternel. Choisissez Jésus-Christ de Nazareth, qui vous épargnera de tous les maux. Et vous serez comme Goshen, qui vivait l'éclairage de l'Éternel pendant que l'Égypte était frappée des ténèbres. Prions à l'indélé. Père céleste, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Le communicateur indispensable. Le communicateur indispensable de la grâce. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. De ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. De la chevelure de ma tête. De la chevelure de ma jusqu'à tête. La plante de mes pieds. Jusqu'à la plante tout de mes pieds. Tout va bien. Tout va bien. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je témoignerai la gloire de je Dieu. Je témoignerai la gloire de Dieu. Je confesse au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus. Je vivrai longtemps sur la terre. Je vivrai longtemps sur la terre. Jamais ma vie ne sera entamée. Jamais ma vie ne sera entamée. Jamais les organes de mon corps ne peuvent me quitter. Jamais les organes de mon corps. Je ne mourrai jamais de la mort de la main de l'homme. Je ne mourrai jamais de la mort de l'homme. Ni moi. Ni moi. Ni mes enfants. Ni mes enfants. Ni la communauté des cieux. Ni la communauté des cieux. Je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. J'ai dit ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je le vois s'accomplir. Car mille tombent à ma gauche. Car mille tombent à ma gauche. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Alain Délé, apôtre des gentils. Amen. Je ne serai pas arrêté sans dire merci. Tu sais, tous en bas caméraman, tous en bas monteur, tous en bas régisseur, tous en bas réalisateur, bana ya batu. Bana ou bandimi. Hein? Malgré la sollicitation extérieure. Vous savez, bien aimé, une des formes de combat qui peut prendre le monde des ténèbres, c'est éventuellement de décourager tous ces gens techniques au travail à la mot. Parce que tout ça, c'est l'amour de Malouma de Foutra Bamote. Mais Bato Barbarano, papa, Zoa Mwanda Mbambongo, Foutra Banawana. Oui, mais tu peux donner des millions de millions à la maman de la famille, à la maman de la famille. Mais quand tu penses à ceux qui sont dans le champ de l'Éternel, tu donnes tes frais pour soutenir Banawana dans sa montage, Banawana dans son filmé. Ne vois qu'on sorte, Moukoulozan, la poste en Zambé. A copé sans que les caoïos au Kanisa. Moukanisa Kabato Bazapena Bitumba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, retrouvez le numéro de l'évangéliste. C'est ce qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Alors, il va vous recevoir au cas où vous appelez et qu'il ne décroche pas. N'insistez pas, surtout, laissez un message. Lorsqu'il sera disponible, il pourra revenir vers vous à tout moment. Merci beaucoup. Alors, veuillez vous abonner massivement sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance TV. Donc, c'est de cette manière que vous allez nous soutenir. Faites des commentaires positifs plus et nous allons faire le maximum de partage. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. Vous avez besoin de soutenir l'homme de Dieu. Il est très disponible financièrement, moralement, spirituellement, matériellement. Alors, avec une nous caméra. Attendons d'ailleurs caméra, vous avez trépied, micro, flash disque. Ce sont des choses qui coûtent rien là-bas. Le box. On en a vraiment besoin. On en a besoin. Parce qu'il faut stocker les émissions.
des lumières. Effectivement, de l'aide, de la lumière, donc tout ça, nous en avons besoin. La salle d'air, il fait chaud, il fait énormément chaud. Et d'ailleurs, je voulais annoncer que le mois de juillet, nous allons nous organiser avec Alain. C'est l'opération Un orphelin est habillé. Donc, il est plein d'orphelinat. Il faut prendre les enfants, les amener là où il y a des orphelins. Qu'ils voient de leurs yeux les enfants qui, entre guillemets, n'ont pas de parents. Les conditions des autres. Nous allons manger. Une journée pour donner la joie aux démunis. Alors nous disons à tous ceux qui ont des vêtements, préparez-vous. C'est toujours en juin, c'est toujours en août. Préparez-vous, envoyez ce qui est inutile. Je vous dis la vérité. N'attendons pas que tout comme on avait l'élection. Non. Soutenons ces enfants. Alain de les Azan Ophelina. Oh, il y a Azan Abana. Donc, tu as fixé date. Donc, vous allez en direct, tu as l'écran, tu as mis la balle à la balle, tu as démarré, ça sera une journée pour donner du sourire à un orphelin. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très très prochainement. Merci à toute la grande équipe. Donc, vous étiez vraiment sympa. Alors, on se fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Donc, très très prochainement, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur. 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Azongana milelo na ye ezalate.
Musique.